Amen. Amen. Le Seigneur vous aime. The Lord loves you. Amen. Le Seigneur est là. He's here. Amen. Le Seigneur dit que là où deux, just when two, trois, or three, sont réunis, gather in His presence, en son nom, in His presence, il est là. He is in the midst of us. Amen. 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 Ne regardez pas le nombre. Do not look at the numbers. Le Seigneur est là. The Lord is here. Nous allons d'abord chanter avant de commencer le message. Si we're first going to sing before starting the message. Come on, 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 come on,
We're going to pray. Seigneur Jésus Christ, Père tout puissant. Lord Jesus, our Father. Papa, je viens au devant de toi. We come to see you today. Tu nous as amené dans ta maison. You brought us to your house. Et je sais, Seigneur, and I know, Lord, que tu as une parole pour une personne. That you have a word for one person this morning. Seigneur Jésus Christ, que le Saint-Esprit lui-même prenne le total contrôle de ces moments. Let your Holy Spirit take total control of this moment. Que tout ce qui va sortir de ma bouche vienne de toi, Saint-Esprit. From my mouth come from the Holy Spirit. Seigneur Jésus Christ, que la chair se taise. That our flesh be quiet. Que le Saint-Esprit lui sent le total that contrôle. The Holy Spirit takes total control. Je couvre cet endroit dans le sang de Jésus-Christ. I cover this place in Jesus. Que chacun de nous soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Let us be covered in the blood of Jesus. Je chasse tout esprit de distraction. I rebuke any spirit of distraction. Tout esprit de sommeil. Of sleep. Tout esprit de coup de fil inutile. Of harm. Seigneur Jésus-Christ. Papa, sois au milieu de nous. Parle-nous ce soir. Parle-nous au Père du Puissant. Speak to us. Parle-nous ce matin. Speak to us. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Salut ton voisin. Greet your neighbor. Dis à ton voisin que Jésus t'aime. Say that Jesus loves you, your neighbor. Dis à ton voisin, salut ton voisin. Que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tends ta main comme ça là. Put your hand out to them. Tends ta main comme ça. Put your hand out. Salut Jésus. And greet Jesus. Salut Jésus. Ne salue pas une personne. Tends ta main comme ça. Put your hand and greet Jesus. Tends ta main comme ça. Put out your hand. Jésus est en train de te saluer maintenant. Jesus is greeting you. Ne salue pas. Salut comme ça. Salut comme ça. Jesus like this. Salut comme ça. Jésus en train de te saluer. Jésus en train de te saluer. Secoue la main de Jésus. Secoue la main de Jésus. Jésus est là. Jésus te touche maintenant. Le Seigneur touche une personne maintenant. Le Seigneur est en train de toucher une personne. Libère ton cœur. Le Seigneur est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de te toucher. Your heart today. Jésus in Jesus' name. Amen. Oh Seigneur, merci. Lord, we thank you. Mon thème d'aujourd'hui. My theme for today. C'est une vie changée. Is a change in our life. Amen. Amen. Une vie changée. A change in our life now. Moi, je ne suis pas une maman. Je m'appelle Maman Huguette. I am not a mother, but I am called Mother Huguette. Je suis votre mère. I am your mother. Je suis votre maman. Your mother. Moi, je n'aime pas. I don't like to lie. Parce qu'il y a deux mondes. Because there's two worlds. Il y a l'enfer. There is hell. Il y a le paradis. And there is heaven. Donc je dois vous dire la vérité. So I have to tell you the truth. Parce que si je ne vous dis pas la vérité, vous allez partir en enfer. Because if I don't tell you the truth, you're going to hell. L'enfer existe. Hell exists. L'enfer existe. It exists. Si tu ne marches pas comme le Seigneur veut, you don't walk like the way tu vas aller en enfer. You will go to hell. Go to hell. C'est pour cela que quand tu donnes ta vie au Seigneur, when you give your life to God, quand tu donnes ta vie au Seigneur, you give your life to ta God, vie doit changer. Your life must change. Tes voisins doivent savoir, your neighbors must know, que tu as donné ta vie au Seigneur, that you give your life parce to God, que ta vie doit changer. Because your life must change. Ton comportement doit changer. Your behavior must change. Ton habillement doit changer. The clothes you wear must change. Si tu t'habillais le pantalon, il s'arrêtait ici là. If you were wearing short trousers, on voyait le slip dehors. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne dois plus t'habiller comme ça. On doit connaître que tu as donné ta vie au Seigneur. Amen. Amen. Dis que aujourd'hui je change ma vie. Say today you will change your life. Dis à ton voisin que aujourd'hui je change ma vie. You will change your life. Amen. Amen. Tes collègues doivent témoigner. Your
colleague must show. Tu ne dois pas seulement dire que je suis un enfant de Dieu. You cannot only say that you are a child of God. Tu es un enfant de Dieu pourquoi? Why are you a child of God? Quand tu étais dans le monde. When you were in the world. Tu fumais. You were smoking. Quand tu étais dans le monde. When you were in the world. Tu partais dans les boîtes de nuit. You were going to nightclubs. Quand tu étais dans le monde. When you were in the world. Tu prenais la drogue. You were taking drugs. Quand tu étais dans le monde. When you were in the world. Tu volais. You were stealing. Quand tu étais dans le monde. When you were in the world. Tu marchais nu. You were walking naked. On voyait les seins dehors. We can see. Les cuisses dehors. We see. No. Quand tu donnes ta vie au Seigneur. When you give your life to God. Ça doit changer. Your life must change. Amen. Amen. Dis à ton voisin que tu dois changer ta vie. Tell your neighbor you need to change your life. Dis que Seigneur change ma vie aujourd'hui. Ask the Lord to change your life today. Amen. Amen. On va lire Genèse chapitre 17. Genesis chapter 17. Verset 1 à 8. Verses 1 to 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. We're going to read in Jesus' name. Amen. Lorsque Abraham... Tu n'as pas la Bible, mais... c'est là-bas. Okay. Lorsque Abraham... En tout cas, ils sont en train de lire. Moi, j'ai dit seulement. Okay. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Dis à ton voisin, sois intègre. Tell your neighbor to have integrity. Sois intègre. Have integrity. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en serre, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à ta descendance après toi le pays que j'ai, que tu habites comme étranger, tout le pays de Ghana en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Nous voyons ici là we see here, que le Seigneur a changé le nom d'Abraham. That God changed the name of Abraham. Abraham s'appelait Abraham. It was called Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Abraham was called Abraham. Mais le Seigneur a changé son nom. But God changed his name. Au lieu de Abraham. Instead of Abraham. C'est devenu Abraham. It became Abraham. Même sa femme. Even his wife. Le Seigneur a changé le nom de sa femme. God changed his wife's sa name. Femme His wife's name was Sarah. Mais le Seigneur a changé son nom. But God changed her son name. Nom, le nom de la femme de Abraham. The name of the wife of est Abraham. Devenue Sarah. Became Sarah. Aujourd'hui, le Seigneur va changer ton nom. Today, God will change your si name. Si les gens t'appellent une voleuse. If people called you a stealer. Tu seras une bénédiction. You will become a blessing. Si les gens t'appellent une malédiction. If people called you a curse. Aujourd'hui, le Seigneur va changer ta vie. Today, God le will change Seigneur your va life. Changer ton nom. Into a les gens ne vont plus t'appeler malédiction. No longer les gens vont t'appeler bénédiction. Partout là où tu vas passer, everything tu vas amener la bénédiction. You will bring blessings. Dis que je m'appelle bénédiction. Say that your name is blessing. My name is a blessing. Dis que je m'appelle bénédiction. I am called the blessing. I am called a blessing. Amen. Amen. Qui connaît le papillon? Who knows what a butterfly is? Vous connaissez le papillon? You know what a butterfly is? Yeah. Vous connaissez bien le papillon. You know what a butterfly is? Papillon est beau à voir. A butterfly is a beautiful. Très beau. It's very beautiful. Quand le papillon entre ici là. When it comes in. Il se pose partout. He goes everywhere. Le papillon se pose partout. It goes everywhere. Parfois le prend même pour orner la maison. Sometimes we even use it to decorate our homes. On orne la maison avec le papillon. We decorate our home. Il ne blesse pas. It doesn't bless. Il ne nuit pas. It
doesn't do anything. Il ne fait pas du mal. It doesn't do any evil. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. That's how a child of God must be. Un enfant de Dieu doit être comme un papillon. It must be. We must que partout là où tu pars, les gens sont contents de te voir. Everywhere we go, people should be happy to see us. Est-ce que tu sais là où le papillon vient alors? You know where butterflies go? Tu sais là où le papillon vient? You know when they come? Where it comes from? Where it comes from? Le papillon vient de la chenille. It comes from being a caterpillar. Vous connaissez la chenille? You know what a caterpillar is? Mm-hmm. Vous connaissez la chenille? You know what a caterpillar is? Tu peux toucher la chenille? You don't touch an insect like a caterpillar. Tu as peur de toucher la chenille? You're scared of touching a caterpillar. Mais c'est là où le papillon vient. But that's where a butterfly comes from. Vous voyez le changement? You see the change? De la chenille? From a caterpillar into a de quelque chose qui n'est pas bien et de quelque chose qui devient bien. From something that's not good to something that's good. C'est comme ça la vie chrétienne. That's how Christian life must be. Amen. C'est ça la vie chrétienne. That's how Christian life must quand be. Quand tu es encore la chenille. When you're still a caterpillar. Ça veut dire que tu es encore dans le monde. It means you're still in the world. Mais dès que tu donnes ta vie au Seigneur. From the moment you give your life tu to God. Papillon. You become a butterfly. Amen. Vous voyez ça? Do you see this? Ça c'est l'eau. That is water. Ça c'est la vie. This is life. Ça c'est la vie quand tu es encore dans le monde. This is life when you're still in the world. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. You didn't give your life to the Lord yet. Et comme ça là. Your life is like this. Le Seigneur n'est pas avec toi. The Lord is not with you. Tu es clair. You're clear. Tout le monde peut te faire du mal. Everyone can hurt you. Tout le monde peut te toucher. Everyone can touch you. Tout le monde peut te prendre n'importe comment. Everyone can take things from you. Tu es dans le monde. You are in the world. Tu es comme ça. You're like this. Comme ça là. Like this. Ouvre-moi un peu le jus. You see? Quand tu donnes ta vie au Seigneur, when you give your life to God, ta vie change. Acclamons pour le Seigneur. Your life changes. Ta vie change comme your ça. Your life changes like this. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, when you give your life to God, ta vie change comme ça. Your life changes le like this. Le sang de Jésus the est à toi. The blood of Jesus is in you. Donc quand tu passes quelque part, so when you go somewhere, quand les sorciers te voient, when people see you, on dit que c'est lui qui is the person that est plus fort. Is stronger. Elle n'est plus la même. She's not the same on ne peut plus la toucher. You cannot touch sa vie anymore. A changé. Her life changed. C'est pour cela que la parole de Dieu me dit. Which is why the word of God says. Ne pas te mentir, nous sommes guéris. Le Seigneur a fait couler son sang pour toi the et Lord pour moi. Shed his blood for us. How a child of God must be. Quand tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur. When you say that you gave your life to God. On doit voir le changement. We must see the change. On doit voir le changement. Able to see the change. Tu ne dois plus rester la même. You cannot stay the same person. Tu ne dois plus rester la you même. Must not stay the same person. Amen. Ne regarde pas que qui va encore payer ma maison. You don't look at who is going to pay for my house. Quand tu donnes ta vie au Seigneur. When you give your life to God. Abandonne. Just give up. Abandonne tout ça. Give up everything. Le Seigneur va s'occuper de toi. God will take care of you. Amen. Regardez mes enfants. Look at my children. J'ai 5 enfants ici là. I have 5 children. Je n'ai pas de bénéfice. I don't have any j'ai benefit. 5 enfants, je n'ai pas de bénéfice. I have 5 children. I have j'ai no benefit. J'ai mon petit salaire que le gouvernement me donne. That's how my small salary that the government le Cameroun me donne. On me paye au Cameroun. Mais chaque jour. But every day. Le Seigneur envoie les gens pour me bénir. God brings people to bless me. Amen. Parce que je suis fidèle. Because I am faithful. Avec amen. Le Seigneur. With God. Je suis fidèle avec le Seigneur. I am faithful with God. You know, quand j'étais dans le monde, when I was in the world, il y avait mon show. I had a show. Qui me payait les habits? The people were paying me clothes. Qui payait ma maison? I'm paying for my house. Et quand je donne ma vie au Seigneur, and when I give my life qui va God, encore faire ça? He's going to do this for le me. Seigneur est ton premier mari. The God is your first Jésus husband. Est ton premier Jesus mari. Is your first husband. Jésus est ton père. Jesus is your father. Toi ne regarde pas ça. So do not look at those et things. Je veux te dire, mon frère, and ma I want to tell you, my brother, my sister. Si God, tu n'avais pas les problèmes, you didn't have problems before, maintenant les problèmes vont commencer. Now problems will start. Yeah,
moment that you give your life les to God, commencent. They would start. Parce que le diable n'aime pas. Because the devil doesn't like this. Même le Seigneur Jésus, even the Lord Jesus, le diable a tenté le Seigneur. The devil tempted Jesus. Mais comme le Seigneur, because the Lord connaissait la parole de Dieu, the word of God, et le Seigneur était le chef de Lucifer. Quand le diable était l'ange, when Lucifer was an il s'appelait Lucifer. He was called Lucifer. Il connaissait bien Lucifer. He knew Lucifer. Jesus knew Lucifer. Le diable connaît toute la Bible, si. The devil knows the entire Bible. Le diable connaît ça. He knows the Bible. Le diable connaît la Bible de la Genèse à Apocalypse. He knows the Bible from Genesis to Revelation. C'est pour ça que tu vas faire que tu vas voir que dès que tu commences à lire la Bible, les idées commencent à venir, la fatigue commence à venir. Même les marabouts utilisent. They stop feeling tired. Vous ne connaissez pas, vous êtes nés ici. Use the Bible. Comme vous êtes nés, vous connaissez les marabouts. Because you guys were born in UK, do you know any type of witchcraft? I was born in Zimbabwe. Okay. Yeah. Les marabouts utilisent la Bible. People who do witchcraft use the Bible. Les marabouts utilisent la Bible. They use the Bible. Donc c'est toi. C'est pour cela que le Seigneur nous demande d'avoir le discernement. Which is why the Jesus asks us to be a certain. Et quand vous êtes avec nous, votre maman. And because you're with your mother. Restez Stay with your mother. Là dehors. Out there. Il y a les faux pasteurs là-bas dehors. There are fake pastors outside. Il y a les faux prêtres là-bas dehors. There are false preachers outside. Le monde est rempli des faux pasteurs et les faux hommes de Dieu. False preachers. Quand tu restes là, on te dit la vérité. When you stay here, we'll tell you the truth. Reste là. Stay here. Ma sœur. My sister. Mon frère. My brothers. C'est bien qu'on te dise la vérité. It's good that we tell you the truth. Même si ça fait mal. Even if it hurts. Mais tu vas changer. But you will change. C'est la vérité qui change. The only the truth can change you. Si je suis mal habillé. If I am not well dressed. Appelle-moi. Then talk to me. Par le respect, tu me dis que maman. Out of respect, talk to me. Si je porte la robe, if I'm wearing a dress, je n'ai pas mis le collant. And I didn't wear underwear. Je porte la robe qui est tremblante. And it's a transparent dress. Vous voyez mon slip. And then you see. Non. Si tu portes une robe qui est transparente, mets le slip noir. Parce que le slip noir, même si tu places devant les gens, ne va pas voir. Because we cannot see you. Parce que je sais qu'il y a les femmes qui n'aiment pas porter les collants. Because there are some people who don't like getting more dressed. Amen. Nous devons bien se comporter. We must be well behaved. Nous sommes les enfants de Dieu. We are children of God. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, when you give your life to God, ce sont les gens qui sont dehors là. It is people who are out there. On dit souvent que la boutique se vend quand c'est ouvert, c'est faux. There is a saying in the world that shops are open when normal. Quand tu mets ton corps dehors, when you expose yourself. L'homme va encore venir chercher quoi avoir sur toi. Il a déjà tout vu. When you expose yourself, men will not come to you because they've already seen you. L'homme ne peut plus venir vers toi. They can no longer come to you. Parce qu'il a déjà tout vu. Because they already saw everything. Il a tout vu. They already saw everything. Donc c'est pour ça qu'il faut cacher ton corps. That's why you must hide your body. Pour qu'il vienne t'épouser pour voir comment ton corps est. You have to marry. Parce que ton corps est caché. What you look like. Amen. Amen. Oh, Jesus. Le papillon vient de la chenille. A butterfly comes from a caterpillar. Personne n'aime voir la chenille. No one likes to see a caterpillar. À moins la toucher. À moins la toucher. On ne peut même pas la toucher. Sa manière de se déplacer the est bizarre. The way it moves, it's weird. La chenille est nuisible. The caterpillar is not, it's not something you'd like to see. Quand la chenille monte sur toi, ça te blesse même. When you see a caterpillar walking on you, you feel disgusted. Il y a des enfants de Dieu comme ça là. There are children of God like this. Quand un enfant de Dieu te touche. When a child of God touches you. Quand un enfant de Dieu un pied dedans. When a child of God has one foot in and one foot out. Ça veut dire qu'il est la chenille. It means that it's the caterpillar. Il faut amener tous tes pieds. You have to bring all your feet. Donne tout ton corps à Jésus. Give your entire body là, to Jesus. Là tu vas devenir le papillon. Then you will become a butterfly. La chenille représente la nature. The caterpillar represents nature. Amen. Amen. La chenille représente le péché. The caterpillar represents sin. Quand
ta chenille, when you have seen your life on te refuse, on te rejette. We reject you everywhere. Quand tu passes, tout le monde veut te taper, tout le when monde you veut go te far, everyone wants to hit you, hurt you. Quand la chenille passe là, when the caterpillar walks past, moi je connais. I know. Si la chenille passe là, if a caterpillar goes here, vous tous là, vous allez vous lever. Everyone here will stand up to run away. Mais si le papillon passe ici là, if it was a vous allez commencer à regarder le papillon comment il est beau. Looking at the butterfly. Mais la chenille, si la chenille passe là, or if it's a caterpillar, je veux voir comment les gens vont se lever là. I want to see how people are going to start standing up. C'est comme ça un enfant de Dieu. That's how a child of God is. Les pécheurs. Sinners est désagréable aux yeux de Dieu. Are not an enjoyable sight in the eyes of God. Les pécheurs. Sinners. Oh, désagréable aux yeux de Dieu. Are not enjoyable. It's not an enjoyable sight. Car Dieu hait le péché. Because God hates sin. Dieu hait le péché. He hates sin. Il condamne le péché. He condemns sin. Le Seigneur condamne le péché. He condemns them. Sous toute forme telle que. No matter what form it is, big or small. Des choses qui peuvent t'empêcher. These are things that can stop. De ne pas être bien avec le Seigneur. From being good with God. L'idolâtrie. Idolatry. L'idolâtrie. Idolatry. Ou l'adoration des idoles. Or adoring idols. Des faux dieux. False gods. La Bible déclare. The Bible declares. Dans Psaume chapitre 115 verset 8. In Psalms chapter 115 verse 8. Que ceux qui fabriquent, je dis au nom de Jésus, ceux qui fabriquent les idoles leur ressemblent. Those that make idols resemble them. Amen. Que ceux qui fabriquent les idoles leur ressemblent. Those who create idols resemble them. La prostitution. Prostitution. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus coucher n'importe comment avec les hommes ou bien avec when les femmes. When you are a child of God, you can no longer be a prostitute. Ça te salit. It dirties you. Parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Because your body is the temple of the Holy Spirit. Tu dois te garder pur. You must keep yourself pure. Quand ton mari va venir, vient te trouver correct. When your husband comes to meet you, he must find you pure. Il y a encore les femmes vierges. There is still virgin women. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens vierge. When you give your life to God, you become même a virgin. Même moi maintenant, si je suis dans le monde, even me right now, et que je ne connais pas le Seigneur, I don't know the Lord. Mais j'ai 5 enfants. I have 5 children. Mais si je donne ma vie au Seigneur, I give my life to the Lord. Je donne l'exemple. I'm giving this example. Que je ne connais pas le Seigneur. That I don't know the Lord. Je suis dans le monde. And I'm in the world. On me prêche la parole. And we preach the word to me. Je donne ma vie au Seigneur, j'accepte le Seigneur. I give my life to the Lord. J'accepte de me baptiser. I accept to become baptized. Mais dès que je me baptise là, from the moment I become baptized, avec mes 5 enfants là, with my 5 children here, je deviens vierge devant le Seigneur. I become a virgin before God. Amen. Amen. Je deviens vierge. I become a virgin before devant God. Le Seigneur. Before God. Et je dois rester comme ça là, garder mon baptême. Bien. And I must keep like this. Je ne dois plus aller chercher les hommes de voir où I must not go and look for women or parce qu'il faut encore venir mettre la saleté sur because moi. They will continue to dirty. Et le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a la saleté. Like where it's dirty. Amen. Le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a la saleté. No, the Holy Spirit doesn't like where it's dirty. Amen. Amen. La prostitution, le vin. Prostitution. Le vin, la and wine, alcohol. Osée chapitre 4 verset 11 nous dit la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Prostitution and alcohol makes you lose yourself. Quand tu bois, when you drink, tu perds la connaissance. You lose your knowledge. Tu perds. On te respecte plus. No one respects you anymore. Amen. Amen. Le tabac. Tobacco. Le tabac. Tobacco. Quand tu donnes un enfant de Dieu, tu ne dois plus fumer. When you give a child, when you become a child of God, you no longer smoke. You should no longer smoke. Tu vas aller te mettre à genoux devant le Seigneur. Ta bouche sent. You need to pull God and your breath stink. Ta bouche sent la cigarette. Stinks of cigarettes. Ce n'est pas bien. It is not good. Les gens qui disent non, la cigarette est non, c'est faux. The cigarette are good. C'est la Bible qui me dit ça. The Bible says it. Ézéchiel. In Ezekiel. Ézéchiel. Ezekiel. Chapitre 8, verset 17. Chapter 8, verse 7. Je lis au nom de Jésus, dis, voici les approches, le ramon de leur nez.
This is how people who approach me in that manner thing. Ce n'est pas bien de fumer. It is not good to smoke. Si tu fumais, arrête. If you smoke before, parce que tu chasses le Saint-Esprit à côté de toi. You are removing the Holy Spirit. Tu attristes le Seigneur. You're saddening the Lord. Tu ne sens pas un parfum de bonne odeur. You don't smell good. Quand le Seigneur vient en toi, il sent seulement la cigarette, le vin. When the Holy Spirit comes in you, he only feels the cigarette inside. Amen. Amen. Si tu fumes et que tu n'arrives pas, sois ton pasteur. Talk to your pastor. We will pray for you. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible for God. Amen. En Corinthiens. In Corinthians. En Corinthiens chapitre 3. Verset 16 à 17. Verse 16 to 17. Je lis au nom de Jésus. I read in Jesus' name. Vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. You are the temple of God. Dis que je suis le temple Say de Dieu. Say that you are the temple of God. I am the temple of God. Encore. Say it again. I am the temple of God. Amen. Amen. La corruption. Corruption. Corrompre les gens. Corruption of the world. When you are a child of God, you must no longer corrupt others. You must stop. Exodus chapter 23, verse 8. In Exodus chapter 23, je vais lire au nom de Jésus. Sir, tu ne recevras point de présent, car le présent aveugle ceux qui ont les yeux ouverts et corrompt les paroles de justice. Amen. La corruption. Corruption. Les mensonges. Lies. Les mensonges. Lies. Tu parles la langue. Et dès que je laisse ma bouteille d'eau, je viens. Qui a pris la bouteille d'eau? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu parles la langue. Les mensonges. And then you start lying and accusing others. Tu dois arrêter les mensonges. You must stop lying. Dis la vérité. Say the truth. Tu vas te retrouver en prison parce que tu as volé. You can go to prison because you stole or lied. Le français me dit que quand tu prends, prendre sans demander, c'est voler. In French, you say that if you take without asking, it is stealing. Il y a les enfants dans le Seigneur et il y a les enfants de Dieu qui volent, même la dîme, même les offrandes, ils volent. There are children who claim to be children of dans God. Dans les églises, on vole les dîmes et les offrandes. Time of offerings are being stolen from churches. That is not right. Mais je sais qu'on ne fait pas ça dans cette église. I know that we don't do this in this church. On ne fait pas ça dans cette église. We do not steal tithes and offerings in this church. Dans les autres églises. In other churches. Les diacres. There are people. Volent prendre les dîmes et les offrandes. We steal the tithes and offerings. Et ils parlent la langue. And the unsaved people try to speak in tongues. Ils prient. Quel they Dieu? Pray. Le Dieu du menteur, le Dieu, le diable. To the devil. Parce que c'est le diable qui est le père des menteurs. Because the devil is the father of lies. Amen. Amen. Jean chapitre 8 verset 44. In John chapter 8 verse 47. Je vais lire au nom de Jésus. I'll read in Jesus' name. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Le diable, c'est le père des menteurs. The devil is the father of lies. Donc quand tu mens, so when you lie, tu es le fils du diable. The son of the devil. Dis que je ne suis pas le fils du diable. Say that you are not the son or daughter of the devil. I am not the son or daughter of the devil. Amen. Le vol. Stealing. Le vol. Stealing. Ne vont pas voler. We shouldn't steal. Jean chapitre 10 verset 10. John chapter 10 verse 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. The devil comes to steal, kill, and destroy. I have come to give life in abundance. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, when you give your life to the Lord, tu ne vas plus voler. You will no longer steal. Tu seras dans l'abondance. But you will be in parce abundance. Parce que le Seigneur va toucher les gens pour te bénir. Because the Lord will touch people to bless you. Amen.
Il faut accepter qu'on vous dise les vérités, mes amis. You must accept the truth from people. Il ne faut pas accepter. Si tu fais quelque chose et la personne ne te corrige pas, la personne là ne t'aime pas. If you do something that is wrong and someone doesn't correct you, that person does not love you. Si tu fais quelque chose, la personne ne te corrige pas, la personne là ne t'aime pas. If you do something and someone doesn't correct you about it, that person does not love you. On m'a envoyé une soeur au Cameroun m'a envoyé un message là dans Facebook. A sister in Cameroon sent me a message on Facebook. On condamné à mort. And they said that she was condemned to die. On devait le tuer, on l'avait arrêté, il avait volé. He stole and he was condemned to die. On devait le tuer. He was going to die. Condamné à mort, ça qu'on appelle condamné à mort. He was going to have the death penalty. Mais il a demandé une seule chose. But he asked only one thing. Le feu. One wish. Il veut écrire. Il a demandé le pic et la feuille. He said he wanted to write. Il a écrit. He wanted to write it down. Que chaque fois qu'il voulait, every time he stole, sa mère l'encourageait. His mother was encouraging sa him. Sa mère le protégeait. His mother was mais son père him. Était contre ça. But his father was against this. Mais sa mère aimait. Donc quand il part voler, il vient donner à sa mère. Sa mère prend l'argent là, il part, elle pas utilisé. So when he was stealing, he would donc, give his money to the mother. Il s'est habitué à voler. So he got the he became addicted to stealing actually. Il croyait que c'était une bonne chose, une bonne chose. And he thought it was a good thing because his mom was encouraging him. Jusqu'à il est parti encore voler. But before one day he went to steal. On l'a pris. He caught the he caught the quota. And he was condemned to die. Donc c'est pour ça qu'il écrivait la lettre. Which is why he wrote down this letter. C'est toi qui m'as accouché. It was his mother that gave birth to me. Mais tu m'as jamais aimé. But you never loved me. Parce que tu m'as encouragé d'aller voler. Because you were encouraging me tu to steal. Tu m'as jamais dit un jour de ne que c'est le vol, ce n'est pas bien. That stealing was wrong. You see? Son enfant. It's her own child. Même ta mère peut te gâter. Even your mother can spoil you. Si ta mère ne te dit pas que ce que tu fais là n'est pas bien, il t'aime pas. If your mother doesn't tell you that what you're doing is wrong, she does not love faut you. Faut corriger les enfants. Which is why you must correct your children. On ne tue pas. You should not kill. Mais faut les corriger. Or you should correct them. Là-bas en Afrique. In Africa. On corrige. We correct. On tape. We hit our children. Yes. On te tape. We discipline you. Hit même you. Si ce n'est pas mon enfant. Even if it's not my si child. Si je trouve ton enfant en train de faire quelque chose. One of my friends je children tape. Doing something, I hit them. Parce que je ne veux pas qu'ils se perdent. Because I don't want them to lose donc themselves. Donc en Afrique, il n'y a pas que c'est la mère de tête, c'est la mère de non. In Africa, on tape. This is your mother. This même is your à l'école. Even at school. C'est on ne parle pas au professeur n'importe comment comme je vois ici là. You don't disrespect on the teacher tape. Like you do in the UK. Tu es qui? Tu te lèves pour parler au professeur, tu es qui? If you talk back to the teacher, they hit you. Mais ici là, les enfants se lèvent pour parler au professeur. Okay, in the UK, children disrespect their teachers. Ce n'est pas bien. It is not right. Dieu défend à son peuple la pratique des péchés. God tells him, God is protecting his children from sin. Nous ne devons pas pratiquer les péchés. We shouldn't be doing sin. Si tu marches même avec une personne, if you're walking with someone, qui ne marche pas comme le Seigneur veut, does not walk the way that the Lord is asking, c'est pas toi de cette personne. It is not right of this person to do so. C'est pas toi de cette personne. It is not right. La séparation fait mal. This is a separation which hurts. La séparation fait pleurer. Separating from someone hurts you. Et la séparation te fait entrer dans tes bénédictions. And separating yourself from people can bring you into your blessings. La séparation te fait entrer dans tes bénédictions. Separating yourself from others can bring blessings to you. Abraham. Je parlais toujours d'Abraham. I'm still talking about Abraham. Parce que c'est notre ancêtre. Because he's our ancestor. Nous venons, nous sommes la descendance d'Abraham. We are the descendants of Abraham. Abraham s'est séparé de non, sa femme. His wife. Abraham separated Sarah. Himself from Sarah. Abraham s'est séparé he de separated Sarah. Himself from Sarah. Abraham était dans la chambre. He was in his room. Avec sa femme. With his wife. Il a fini de manger à midi. He finished eating. Il a bu un peu. He drank a bit. Il s'est reposé. He rested. Il a dit à sa femme que je pars au bureau. And then he told his wife, I'm going to go outside for a bit. Il est venu s'asseoir dehors. He sat down outside. Pendant qu'il était là, while he was there, seul, alone, le Seigneur commença à lui parler. The Lord started talking to je him. Je veux te bénir. I want to bless je you. Je veux te bénir. I want to bless je you. Je veux te bénir. I want to bless est-ce que si Abraham était dans la chambre avec Sarah, est-ce que le Seigneur devait lui parler là-bas? If Abraham was with
Abraham was with his wife, he wouldn't have been able to talk to God. It was because he separated himself from his wife that God was able to talk to him. Si tu vois que quelque chose que tu es en train de faire, if you see that something that you're doing, tu marches avec une personne qui ne fait que te ramener en arrière, separate yourself from this person. Parce qu'il va t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions. Because that person will stop you from getting your blessings. La personne va t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions. This person will stop you from getting your blessings. Pendant que Abraham était dehors, while Abraham was outside, et Sarah était à l'intérieur, and Sarah was inside, Abraham a vu trois anges. Abraham saw three angels. Venir. Coming. Et parmi ces trois anges, and from those three angels, Jésus était parmi. Jesus was among them. Et c'est Jésus, and it was Jesus, qui a dit Abraham, I told Abraham, que quand je veux encore revenir, when I will come back, l'année prochaine, next year, à la période-ci, in this period, Sarah, at that time, Sarah aura déjà un enfant. Sarah will already have a child. C'est parce que it was because Abraham s'est séparé de Sarah. Abraham separated himself from et Sarah. Et il a eu ses bénédictions. And he got his blessings. Dis que je me sépare. Say that you will separate yourself. I will separate myself. Je me sépare. I separate myself. I separate myself. De toutes choses. From everything. From everything. Toutes choses. Everything. Everything. Qui m'empêche. That is stopping me. That is stopping me. D'entrer. To enter. To enter. Dans mes bénédictions. Where my blessings are. Je me sépare de ça. I separate myself from these things. I separate myself from these things. Amen. Amen. Oh, Jesus. Si tu veux que ta vie soit semblable au papillon, if you want your life to be like a butterfly, qui veut que sa vie soit semblable au papillon? Who wants their life to be like a butterfly? Amen. Qui veut changer? Qui veut que le Seigneur change sa vie? Who wants that that God changes their life? Amen. Qui veut que le Seigneur change sa vie, soulève la main. Whoever wants God to change their life, put your hand up. Que le Seigneur, dis que le Seigneur change ma vie. Say God change my life. God change my life. Que le Seigneur change ma vie. Lord change my life. Lord change my life. Seigneur change ma vie. Lord change my life. Lord change my life. Si tu veux que ta vie soit changée, if you want your life to change, il y a sept conseils. There is only one advice. Sept conseils. What? One advice. Seven advice. Sept conseils. Seven advices. La première. The first. Le premier conseil, pardon. The first advice. Reconnais que tu es une chenille. Tu n'as pas encore péché. Tu ne pêches pas. Tu mens. If you say that you never sinned before, you're lying. Si tu dis que tu ne pêches pas, tu mens. If you say that you've never sinned, moi-même là, je mens. Even me myself, je pêche. I sin. Mais quand tu pêches, but when you sin, va demander pardon au Seigneur. Ask God to forgive you. Quand tu pêches, when you sin, demande pardon au Seigneur. Ask God to forgive you. Il ne faut pas être orgueilleux. Should not be too proud. C'est l'orgueil là qui nous empêche d'entrer dans nos bénédictions. It is pride that stops us from birth. Tu vois comment elle est habillée là? You see how she tu vois ses ongles? You see her nails? Dès que je vois seulement ses ongles là, I see her nails, j'aime déjà. I already like them. Si je suis déjà, je recommence déjà à j'ai péché. I already sinned them. Il ne faut pas envier. You shouldn't envy. Mm. C'est ça. Il ne faut pas envier. You shouldn't envy. C'est pour ça qu'on dit que si tu dis que tu n'as plus le péché, pas tu mens. Which is why I'm saying that if nous tous nous péchons. Mais nous devons demander pardon au Seigneur. We sin, we must ask à chaque instant, il faut demander pardon au Seigneur. No matter what the sin is, we should ask God to forgive us. Amen. Deborah, il y a Deborah, une personne qui s'appelle Deborah. Oui. Tu t'appelles comment? Oh, what's your name? Rebecca. Rebecca. Tu es béni. You are blessed. Le Seigneur va t'utiliser beaucoup. God will use you mightily. Amen. Beaucoup. Mightily. Amen. Mais il faut être soumise. But you have to be faithful. Amen. Il faut être soumise. Faithful. Il faut pas que quand le Seigneur va t'élever, so that when the Lord elevates you, l'orgueil vient seulement te remplir. So that when the Lord lifts you, you don't become too proud. Ça. You have to change this.
Donc il faut te rabaisser. So now you have to go back même down. Même s'il s'agit d'enlever même les chaussures. Even if it's just to take off your shoes. Personne. From yourself. Enlève. Take away. Pour prendre tes bénédictions. In order to claim your blessings. Amen. Amen. Vous voyez comment elle est habillée? See how she's dressed? Dès que je la regarde, je dis pourquoi c'est elle? When I see her, I see why is this her? Why am I not just dans like her? In my heart. Mais je suis en train de pécher. If you do this, you're sinning. Je suis en train de pécher. By doing this, you're sinning. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je dis que moi-même si. Which is why I'm saying, me myself, I sin. Demande pardon au Seigneur. But I ask God to forgive me. La seule personne qui n'a pas péché sur cette terre. The only person who's never sinned on this earth. C'est Jésus. Is Jesus. C'est pour cela. Which is why. Que quand tu pèches. When you sin. Ne reste pas là. Do not stay there. Ne dis pas que je ne pars plus à l'église. I'm not going to church anymore. Parce que j'ai péché. Because I sinned. Non, c'est ça que le diable veut. That's what the devil wants. Dès que tu pèches. Once you sin. Ma sœur. My sister, mon frère, my brother, va devant ton Dieu. Go before tu your God. Seigneur, pardonne-moi. And ask him to forgive j'ai péché. Sorry, I sinned. Parce que la vie chrétienne. Because the Christian life. Moi, je vais vous dire la vérité. Let me tell you the truth. La vie chrétienne n'est pas facile. The Christian life is not easy. La vie chrétienne n'est pas facile. It is not easy. Il faut seulement savoir demander pardon au Seigneur. All you need to know is you must know how to ask God to forgive you. Quand tu tombes. You must fall. Tu te lèves. And then you must cry. And you must continue. Ne dis pas que non, je suis tombé, non. Oh, et tout le monde va savoir que j'ai péché. Tout le monde va. Les gens vont me regarder à l'église. You don't say that because I fall. Les gens vont me regarder à l'église. Que j'ai péché. People will see that I've sinned when I fall. Non. Même si les gens disent que tu as péché. If you fall and people say that you sinned. Tu as demandé pardon au Seigneur. If you have asked God to forgive you. Ton Dieu t'a pardonné. Your God who has forgiven you. Laisse les gens là. Let all the people avance. Amen. Continue your journey. Stand up and continue your journey. La vie chrétienne. The Christian life. Le salut est individuel. Salvation is individual. Individuel. Quand tu seras devant le Seigneur. Once you be même maman Régine ne sera pas avec toi. Even Sister Regine won't même be with you. Même moi je ne serai pas even avec I toi. Won't be with you. Même Rebecca ne sera Rebecca pas avec won't toi. Be with you. Personne tu seras seul. Nobody will be tu with vas répondre you. À tes questions. You will answer questions alone. C'est pour cela. Which is why. Dès que tu tombes. Once you fall. Dès que tu pêches. Once you sin. Relève-toi. Stand back up. Demande pardon. Ask God to forgive you. Et avance avec le Seigneur. And go forward with the Lord. Amen. Le deuxième conseil. The second advice. Sache que Jésus Christ. Know that Jesus Christ. Seul peut changer ta vie. Is the only one who can change your life. Moi, je ne peux pas changer ta vie. I cannot change your life. Non. Il n'y a que le Seigneur Jésus Christ. Only the Lord Jesus can change your life. Ni ta mère. Not your mother. Ni ton père. Not your father. Ni tes enfants. Not your children. Personne ne peut changer ta vie. No one on this earth can change your life. Il n'y a que le Seigneur Jésus. It is only the Lord Jesus. Qui peut changer ta vie. You can change your life. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu. It is only God. Qui peut changer ta vie. That can change your life. C'est pour cela quand je prie. You know, when I pray. Je dis souvent que Seigneur. I told the Lord. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. I thank you for everything you're doing in my life. Même mon père maintenant là, si je suis malade, right now, on demande que il faut que une personne meure pour que je sois guéri. If I am sick right now and you, they told me that if someone has to die for me to be healed, je ne crois pas que mon père. I do not believe that my father. My mother, mon mari, my husband, mes enfants, my children, mon pasteur, my pastor, mes enfants comme ça là, comme vous êtes là. My spiritual children. Une personne va dire non, moi je meurs pour que ma mère quelque soit vivante. No one would say that oh, I'm going to die so that she can live. Mais le Seigneur, but the Lord, a dit à son père, told his father, que père, that father, laisse-moi, leave me, je pars. I will go pour aller mourir to die pour Mama Huguette, for Sister Huguette, pour Mama Rebecca, for Rebecca, pour ma fille, pour ma fille, pour mon fils, pour ma fille, pour ma fille, pour ma fille, pour ma fille, pour mon ma fille, ma fille, pour tout le monde. For everyone. Le Seigneur Jésus a accepté. The Lord accepted. De venir mourir pour nous. To die for us. Il a fait couler son sang. He shed his blood. Pour nous. For us. Donc tout ce qui te dérange dans la vie là. Everything that bothers you in life. Le Seigneur Jésus a porté ça. Donc tout ça, ça n'a plus de valeur. It has no ça n'a plus de poids. It has no weight. Donc ne regarde pas que ma vie ne marche pas. So don't look at your life saying tout it doesn't ça, work. C'est bien. Everything is tout ça, c'est bien. All of these troubles le are Seigneur nothing. A
payé ça sur la croix. Because the Lord has paid for le Seigneur on the a payé ta vie sur la croix. He paid for your life on the cross. Donc maintenant tu dois marcher tête haute. So now you have to walk with your head high. Quand tu marches. And as you walk. Quand tu marches. When you walk. La main du diable doit écarter parce que l'enfant de Jésus est en train de marcher. Tu marches la tête haute. Tous les agents du diable doivent te laisser le passage. All the agents of the devil will depart from you. Because they can see you. Non, marche tête haute. Walk with your head high. Amen. Quand tu arrives quelque part, when you go somewhere, take authority. La parole de Dieu me dit. The word of God says. C'est ce qui sort dans nos bouches. That everything that comes from our c'est ça qui bénit. Is what it et c'est ça qui maudit. And that's what can curse. Quand tu arrives quelque part, when you go somewhere, prends l'autorité. Take authority. Dis que je suis un enfant de Dieu. And I am. Je prends l'autorité ici là. Take the authority here. Parce que ce qui est en moi. Because what's in me est plus fort. Is stronger. Que ce qui est dans le monde. And what's in the world. Amen. Et qui est dans le monde. And who's in the world? C'est le diable. The devil. La parole de Dieu me dit. The word of God tells me. Nous sommes dans le monde. We are in the world. Nous sommes dans le monde. We are in the world. Mais nous ne sommes pas du monde. But we're not from the world. Parce que ce qui est en nous. Because the one in us est plus fort que ce qui est dans. Is stronger than the one in the world. Et qu'est-ce qui est en nous? And who's in us? Jésus Christ. Jesus Christ. Amen. The third advice. Confesse tous tes péchés sans rien cacher ou négliger. Confess all your sins without hiding any. Amen. Faut confesser tes péchés. You have to confess every one of your sins. Même si tu oublies. Even if you forget. Moi j'aime faire la prière si. I like to do this prayer. Seigneur Jésus Christ. Lord Jesus Christ. Pardonne-moi mes péchés. Forgive my sins. Mes péchés connus. The one I do know, and the ones I don't know. So the ones I don't know. Because Jesus knew all our sins. Because Jesus knows all of our sins. Donc tu ne peux pas cacher ton péché devant le Seigneur. You cannot hide your sins before God. Donc tu dois confesser tes péchés. You must confess your sins to God. Tu dois confesser les péchés de tes enfants. You must confess the sins c'est of your children. C'est maintenant que tu dois commencer à prier pour tes enfants. It is now that you should start pour l'avenir de tes enfants. For the future of your children. Abraham a commencé à prier pour nous. Abraham started praying for us. C'est pour ça que nous sommes là. Which is why we are here. Donc il faut prier. So you have to pray. Prie pour ta famille. Pray for your family. Ask forgiveness on demande pardon pour ton père. Ask forgiveness for demande your mother. Demande pardon pour ta mère. Ask forgiveness for your mother. Confesse tes péchés. Confess your sins. Le Seigneur est là, il nous attend. The Lord is here and waiting for us. Amen. Il nous attend. C'est nous les gens comme nous sommes dans le monde, la chair. It is us because we are when we are in the world, comment the flesh. How was name? Alesha. Alesha. Si je piétine Alesha là maintenant. I step on Alesha's foot right now. Ou bien Alesha me piétine, piétine. Tu as commencé à dire que regarde quand même me piétine. You're still getting angry if someone steps on your foot. Et je vais garder rancune. And you will keep that hatred Alesha. In your heart against Alesha. Il y a ça dans la maison de Dieu. There are people who do that in the house of God. Il y a ça dans la maison de Dieu. There are these type of people in the house of God. God le Seigneur est là où il y a l'amour. He is there when there is love. Le Seigneur yeah. Réside là où il y a l'amour. He stays where there is love. Si elle est un enfant de Dieu, si on est un enfant de Dieu, nous sommes comme ça là. If we are both parce que notre God, Père, nous avons un seul Père, Jésus-Christ. Donc nous devons être unis. So we have to be united. Si Alesha est malade, if Alesha is je dois sentir ça chez moi. I should feel it. Que elle est malade. She is sick. C'est là un problème. If you have a problem, je dois prendre ce problème comme si c'est mon problème. Problem, je dois prier. I need to pray. Je n'ai pour elle. I need to fast for her. Amen. Amen. J'ai un témoignage. I have a testimony. J'ai mon ami. I have a friend. Une Mauricienne. Une Mauricienne. She's une Mauricienne. Dis Mauricienne. Une Mauricienne. Mauricienne. Une Mauricienne, donc une Mauricienne. C'est un pays en Afrique là-bas. So she's from a country in Africa. Mm. Mais ils sont blanches comme ça là. But they're like, race-wise, they're like. Ils ne sont pas noirs. Not donc ils sont mélangés comme les Indiens. They're like mixed race. Oui, donc ils sont mélangés. Elle est ici. So she's here. Elle a eu un problème avec son mari. So she had a problem with her husband. Ça fait 7 mois. And it's been 7 months. Jusqu'à le mari a déménagé. Even that the husband moved house. De la maison. From the house. Donc elle
est venue me voir. She came to see me. Elle m'a expliqué son problème. And she explained her problem to me. J'ai dit que Seigneur. And I said, Lord. C'est le Seigneur qui a créé le mariage. It is God who created marriage. Et le Seigneur dit que ce qui n'a uni personne ne doit séparer. What he has united, nothing can separate. J'ai pris le problème là comme si c'était mon problème. I took the problem as if it was my own. Je jeûnais. I fasted. J'ai resté affamé. I stayed hungry. Je faisais les jeûnes d'Esther. I did. Trois jours de jeûne, sans manger, sans boire. Pour le problème de ma sœur. For the problem of my sister. On ne se connaissait pas. On we didn't know each other. We just knew each other then. Mais j'ai pris son problème comme si c'était mon problème. But I took her problem as if it was the Lord. Ça là maintenant. Le mari, le Seigneur a ramené le mari. Now they are united. The Lord brought back the husband. Amen. Elle me forçait, non, va voir, pas parler à mon mari. Je lui ai dit que non. Le Seigneur ne m'a pas encore parlé. Laisse. Ton mari va venir me voir. When the problem was solved, she told her to go and meet the husband, but she said that when the Lord says it is right, he will come to her. Donc chaque fois qu'elle venait prier, non, sister, allons, va voir, appelle mon mari. Je dis so non. Every time she came to, the sister came to pray, she said, call my husband. Le Seigneur me dit que ton mari, c'est ton mari, tu vas me chercher. But God told her that your husband is your husband. He will come to see me when, in due time. Donc un soir comme ça, là, je priais à la maison avec so mon one night I was praying like this. Mon téléphone sonne. My phone was ringing. Son mari m'appelle pour la première fois que son mari m'appelle. Her husband called me for the first time. Sister, est-ce que je peux te voir? Sister, can I meet you? Viens, je suis là. And she said, come, I'm here. Elle est, il est venu. He came. Il a trouvé qu'on était en train de faire la prière parce qu'on prie à la maison chaque 19h. He came and he found that we were in the middle of a prayer because we pray every night. Je dis que je savais que tu devais venir. And she told him, I knew you were going to come. Le Seigneur m'avait dit que tu devais venir. The Lord told me that you will come to me. On a fini la prière. So we finished the prayer. J'ai demandé aux enfants qu'aller dans les chambres. I asked the children to go to their bedroom. Est-ce qu'il ne va pas? And I asked him, what's wrong? What is the problem? Parce que je connaissais la version de son, de sa femme. Because I knew the version of his wife. Mais je voulais aussi connaître sa version. I wanted to know his version of why he left. Mais je ne suis pas, je ne juge pas, c'est juste. But I will not judge him. Only God can judge. Amen. Dès qu'il a fini de me so parler. So once he finished explaining what the problem was. Je lui ai dit que. I told him. Il était 23h. This was at 11 p.m. Je lui ai dit, les enfants partaient à l'école le lendemain. The children were going to school the next day. Je lui ai dit qu'on a prié. I told them we prayed. Je lui ai donné les conseils. I told them the advice. Je lui ai dit I told them que le Seigneur me demande de t'amener dans ta maison. That the Lord is asking me to bring you to your house. On a pris la voiture. So we took the car and we went to his house. La femme a refusé. The wife refused. Je lui dis que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de venir. So I told him this is the Lord told me to do this. Ils ont commencé les bagarres là-bas. So they started fighting again. Je me suis mise à genoux dans leur maison et dis que I put myself on my knees in their house. Est-ce que tu m'as mis là pour venir voir ça? Did you bring me here for me to see this? Que le Seigneur agit. That the Lord acts. J'ai commencé à prier. I started praying. J'ai demandé à l'homme embrasse ta femme. I asked the husband to kiss his wife. J'ai commencé à prier pendant que je priais. Les deux ont commencé à pleurer. And while I was praying, they both started crying. Les deux ont commencé à pleurer. They both started crying. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont comme ça là. And from then on, they donc, are tout ce que j'avais dit à cette femme, everything I told this wife, le Seigneur a fait tout ce que j'avais dit à sa femme que le Seigneur va faire, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire, le Seigneur. Tout ça, le mari a confessé tout ce qu'il faisait dehors. At that moment, the husband admitted everything that he donc, had done outside of the marriage. So nothing is impossible for God. Ça va prendre du temps. Sometimes it will take some parce time. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Because there are many vows. Regardons seulement nous sommes ici là. Let's just look at ourselves over here. Si chacun de nous son dossier devant le Seigneur. If every of our five were before the Lord. Donc chacun a son tour devant le Seigneur. Because we all have our own individual. Si aujourd'hui le Seigneur prend ton dossier, so if today God comes tu vas voir comment ta vie va changer. We'll see how your life will change. Mais si le temps passe, ça ne va pas dire que Dieu t'a oublié. But if many years go by, it doesn't mean that no. God has forgotten you. Le Seigneur n'a pas encore dit ton dernier mot dans ta vie. God hasn't said his last word in your life. Le Seigneur un mot. Only one word. Le Seigneur un mot. Only one word from the Lord. Amen. Amen. Quatrième, cinquième. This is the fifth advice. Abandonne
ces péchés, cette vie que tu mènes, même si elle te procure certains avantages. Give up your sins even if they can provide for you certain advantages. Abandonne cette vie entre les mains du Seigneur. Give up your life to the Lord. Abandonne ces péchés entre les mains du Seigneur. Give up your sins and go to the Lord. Ne dis pas que non, moi je garde ça, ça, son péché. Non, et je veux vous dire qu'il n'y a pas de petit péché, de grand péché. Do not try to negotiate with God. Tout péché égale péché. A sin is a sin. Si moi je sois maintenant, je pars casser la banque, je ramasse tout l'argent de l'Angleterre. If I go and I rob every bank in the UK. Et toi, tu viens seulement prendre la petite bouteille d'eau. And you come and just steal that water bottle. Nous tous nous avons volé. We both have stolen. C'est volé. Tu as still pris stealing. Moi je suis parti casser la banque. J'ai I went volé. To rob a bank and you went to steal a water bottle. Donc péché égale péché. Sin is a sin, so it's il n'y a pas de petit péché, le grand péché. There is no big sin or small sin. Amen. 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 Sixième. The sixth advice. Commence à vivre cette vie nouvelle. Start living this new life. Vive avec Jésus Christ. Live with Jesus Christ. Avance avec Jésus. Go forward with Jesus. Demande à Jésus de se mettre devant toi. Ask Jesus to go before you. Demande à Jésus de se mettre à côté de toi. Ask Jesus to go next to you. Demande à Jésus de se mettre à côté de toi. Ask Jesus to stand with demande you. Demande à Jésus de se mettre derrière toi. Ask Jesus to be behind you. Confie toute ta vie au Seigneur. Give up your life to the Lord. Tout ce qui te concerne, tout ce que tu as, donne ça au Seigneur. Everything you know, give it to the Lord. Donne tout ça au Seigneur. Give everything to the Lord. Ne dis pas que moi je garde ça, le Seigneur va garder l'autre là. Non. Donne-lui toute ta vie, Parce que si tu lui donnes un peu, il va garder ça. Mais ce que toi tu gardes là, le diable va venir encore prendre. If you give the Lord a bit and you have a lot, the devil can still come to you. Donc donne-lui toute ta vie. So give him all your life. Comme tu as donné ta vie au Seigneur. When you've given everything and your life. Et que ta famille n'a pas encore donné sa vie, la vie au Seigneur. You still haven't given your life there. Dis que Seigneur, je te confie ma famille. Say that Lord, I put je te donne ma famille. And give you my family. Nous ne devons pas être ingrats. We shouldn't be ungrateful. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, pense à ta famille aussi. When you give your life to the Lord, think of your family as well. Parce que ta famille peut être sauvée à cause de toi. Because your family can be saved through you. Ta prière que tu fais peut sauver une personne de ta famille. The prayer that you're doing can save one person in your family. Amen. Amen. Septième. The seventh step. Adhère à une église vivante. Stay in a church that brings life. Où l'on croit et met la parole de Dieu en pratique. Where you can practice and love the word of God. Amen. La parole de Dieu, de Jésus Christ, pour continuer à marcher dans cette nouvelle vie. The word of God from Jesus, so you can continue walking in this new life. You must stay where they speak of the word of God. Do not stay in night. What are they going to tell you there? Do not walk with people who smoke. What will they give you? Cigarettes to smoke. Amen. Amen. On dit souvent chez nous que we often say, moi je fume. If I smoke, elle ne fume pas. She does not smoke. Mais elle marche avec moi. She walks with me. Quand elle marche avec moi. She walks with me. Quand on va dire que regardez les, quand on vient comme ça, on va dire que regardez les fumeuses là. When they see us together, they say, look at these people, those people who smoke. Regarde les fumeuses là. Look at these people. Parce who que elle marche avec because moi. She is walking with me, who is smoking. Mais elle ne fume pas, c'est even moi qui fume. She is not smoking. Mais quand nous voit ensemble, on dit regarde les fumeuses là. Donc elle est fumeuse parce qu'elle marche avec moi. So she becomes someone who smokes because she's donc il faut éviter de marcher avec les gens qui vont vous salir. So we have to avoid walking with people who can dirty us. On va vous confondre. Because we will marchez avec les enfants de Dieu, vous allez prier, vous allez parler la parole de Dieu. Walking with children of God, you will only speak. Vous allez discuter la parole de Dieu. You will listen more to the word marchez of God. Avec ces gens. You will walk with these ne people. Marchez plus avec les gens du monde là. You don't walk with people from the world. Même les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu là. Even people who don't understand the word of God. Les gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur là. Who haven't given their life to God yet. Ce sont les enfants de Dieu. They are still children of God. Ce sont les enfants de Dieu. They're still children of God. Les gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Those people who haven't given their life to God. Ce sont les enfants de Dieu. They are still children of God. C'est Dieu qui les a créés. God created them. Ce sont les enfants de Dieu. They are still God's children.
créé. Because they were created by God. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. They are not born again. Ils ne sont pas nés de nouveau. They are not born again. Ce sont les enfants de Dieu. They are still children of Mais God. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. They are not born again. Toi et moi, nous sommes nés de nouveau. You and me are born parce again. Parce qu'on a accepté le Seigneur Because we accepted dans the notre Lord vie. In our life. Amen. 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 Donc, ce ne sont pas les enfants, ce sont les enfants du diable quand ils font du mal. They become the children of the devil when they start harming others. Mais le Seigneur connaît ses enfants. But the Lord knows his children. Parce qu'il y a les enfants du diable même à l'église. Because there are children of the devil. Le diable envoie ses enfants à l'église. He sends his children in church. Ils sont là. They are here. Donc, c'est pour ça que je veux vous dire. That's what I want to tell you. Donc, me fiez-vous. To be wary. Ce n'est pas tout le monde qui a l'église qui est chrétien. Be wary of churches, because everyone in church may not. Ce n'est pas Christian. Tout le monde qui a l'église qui est chrétien. Not everyone who goes to church may. Il y a les enfants du diable parmi nous. There are children of the devil among us. Le diable envoie ses agents pour venir anéantir l'œuvre de Dieu. The devil sends his agents to destroy the world. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole que nous devons avoir la sagesse, l'intelligence et le discernement. Which is why the Bible says we must have wisdom and discernment. Because right now we are living in tout ce que le Seigneur avait parlé d'Apocalypse, nous sommes en train de vivre Everything ça. Everything that the Lord has shown in Revelation, and we see it in the world now. Les hommes qui sortent avec d'autres hommes. Homosexuality. Les femmes qui sortent avec d'autres femmes. Homosexuality. Les hommes qui couchent avec les animaux. People who. C'est interdit. This is forbidden. Un homme ne doit pas coucher avec un animal. A man should not be sleeping with an animal. C'est interdit. This is abomination. It's an abomination before the Lord. Un homme, une personne qui tue l'autre comme il égorge un animal. A person who is killing a man, another c'est man, pas normal. As if they were an animal. Nous sommes en train de vivre Apocalypse. We are living Revelation. Le Seigneur revient bientôt. The Lord is coming back soon. Donc si tu es dans la maison du Seigneur, reste, ne sors plus. So if you're in the house of the Lord, reste dans la maison du Seigneur. Stay in the house ne of the Lord. Ne sors plus. Do not get out of there. Parce que nous sommes à la fin. Because we are at the end. Le Seigneur revient dans bientôt. The Lord is coming back soon. Changeons. Change. Tu tombes, tu te relèves, tu continues. If you fall, stand up. Demande pardon. And il faut que le Seigneur vienne te trouver dans sa Lord maison. Will find you in his house. Amen. But l'église n'est pas la salle ici. The church is not this building. L'église est toi et moi. The church is me and Notre you. Notre corps c'est l'église. Our body is the church. C'est ton corps qui est l'église. It is your body that is the church. Parce que tu es l'église, je suis l'église. Because you are the church, I am et the church. Et c'est pour ça qu'il dit que là où deux et trois sont rassemblés, il est là. Il ne regarde pas l'ensemble, la salle. This building. Et ne regarde pas la foule. Do not look at the crowd. Ne regarde pas que telle église a tel nombre. Change ma vie. I want you to change my life. I want you to change my life. Change ma vie, Seigneur. Change my life, Lord. Change my life, Lord. Je m'abandonne entre tes mains. I put myself in your hands. I put myself in your hands. Je sais, je reconnais. I admit. Que j'ai péché contre toi. That I have sinned against you. That I have sinned against you. J'ai pris ma vie comme si c'est moi qui que je voulais commander ma vie. I took my life as if I wanted to control it. I took my life as if I wanted to control it. Mais je ne peux pas contrôler ma vie. But I cannot control my life. But I cannot control my life. Je veux que tu changes ma vie. I want you to change my life. I want you to change my life. Seigneur, éloigne de moi toutes les mauvaises personnes, toutes les mauvaises choses. Lord, separate me from evil people. Lord, separate me from evil people. Sépare-moi de toutes ces choses. Separate me from evil. Separate me from evil. Je me sépare de toutes ces choses. I separate myself from all these things. I separate myself from all these things. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Lord, I give myself to you. Lord, I give myself to you. Je t'abandonne ma famille. I put into your hands my family. I put into your hands my family. Je t'abandonne mon église. I put into your hands your church. I put into your hands your church. Je t'abandonne mes études. I put into your hands my studies. I put into your hands my studies. Je m'abandonne mon avenir. I put into your hands my future. I put into your hands my future. Papa, relève-moi. Lord, bring me back up. Lord, bring me back up. Relève-moi. Bring me back up. Bring me back up. Donne-moi la force. Give me the strength. Give me the strength. De suivre. To follow you. To follow you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur.